un modèle de bâtiment d'inspiration ferme urbaine pour aller avec le ton de la ferme des Voltigeurs. Alors, c'est un beau bâtiment qui va prendre forme dans les prochaines semaines et dans les prochains mois. Aujourd'hui, on se trouve au 1240 boulevard Lemire pour une nouvelle importante là, du côté de la ferme des Voltigeurs. Oui, c'est pour l'annonce de notre futur magasin ici au 1240 boulevard Lemire qui ouvrira au printemps 2017. Ce sont des investissements importants. Assez important, très important, oui. Plusieurs centaines de milliers de dollars. Hein. On est au marché public le jeudi, vendredi, le vendredi, samedi, puis nos deux autres boutiques à la ferme et au 915 Boulevard Foucault, 5 jours de semaine. Ça va être notre quatrième point de vente. Ce nouveau magasin de 3035 pieds carrés se distinguera entre autres par une halle de repas qui pourra accueillir les gens désirant consommer les différents plats cuisinés sur place. Ce projet permettra la création de 6 nouveaux emplois et l'ouverture est prévue pour le printemps 2017. Évidemment, c'est un grand plaisir pour moi d'être ici aujourd'hui. On aime les bonnes nouvelles économiques. On adore les nouvelles économiques quand en plus elles viennent d'une famille de chez nous, une famille de notre milieu qui connaît un grand succès dans son domaine et qui fait rayonner Drummondville. Alors, vous investissez, vous n'avez pas peur, on pourrait dire que vous n'êtes pas des chickens. Vous n'hésitez pas à vous lancer et je pense que vous faites confiance au marché drummondvillois. C'est fort intéressant le site, je pense qu'il faut le mentionner, parce que pour nous, la vitalité de l'ensemble des secteurs de la ville est importante. On pense à chacun des secteurs, que ce soit au secteur Saint-Nicéphore, au secteur des promenades, au centre-ville. Le secteur ici est un secteur important aussi. On se retrouve à proximité, on se retrouve dans le parc industriel et il y a donc des gens qui ont de l'intérêt pour avoir des services, soit pour manger sur les heures de travail, soit pour faire des achats avant de retourner à la maison. Alors, chapeau, félicitations de faire confiance à l'économie. Félicitations pour ces succès que vous connaissez. Les gens de la Chambre de commerce sont ici. On sait que vous avez reçu des honneurs aussi de ce côté-là au cours des dernières années. Et ça montre tout le dynamisme, tout le succès de votre entreprise, de votre famille et de toute l'équipe de la ferme des Voltigeurs. Alors, félicitations. Merci également aux professionnels, des professionnels de la région qui sont là pour appuyer la construction, préparer évidemment les plans, faire la construction. C'est toujours encore plus intéressant pour nous quand on voit que les professionnels et que les gens qui obtiennent les contrats sont des gens de chez nous, des gens de Drummondville. Ce qui va être un peu différent des autres magasins, c'est qu'on va avoir une halte repas. Donc, les gens vont pouvoir rester chez nous quelques temps pour consommer nos produits. Et puis, on va avoir aussi beaucoup plus d'étalage pour des produits du terroir avec des partenaires, des fournisseurs de la région et de l'extérieur. Et puis, on va avoir notre gamme traditionnelle des produits de ferme des Voltigeurs. Alors, c'est des produits frais, des plats cuisinés, des plats prêts à servir. Et c'est une demande, justement, du côté de la clientèle? Oui, c'est une demande de la clientèle d'avoir un point de vente ici sur le Mire. Ça fait 2-3 ans qu'on étudie le projet. On a fait une étude de marché, puis pour notre quatrième point de vente, on a trouvé que c'était le meilleur endroit pour investir. Quand on touche l'alimentation, c'est sûr que la créativité avec notre chef à la ferme, bien, puis l'écoute aussi attentive des besoins puis des goûts de la clientèle, bien, c'est très inspirant de développer toujours de nouveaux produits, des nouvelles façons de faire avec la volaille, le produit de la volaille. Donc, ça va être un endroit à découvrir des nouveautés, des trucs et astuces et des plats cuisinés prêts à manger à la maison pour la population. Oui. Dans les genres de produits qu'on offre, c'est une diversité de produits pour égayer le consommateur, lui faciliter la vie. Aujourd'hui, tout le monde est de plus en plus pressé à la course. Je crois qu'on va avoir un bon succès ici sur Voilà-Mire.